Good evening, bonsoir. Welcome, allez bienvenue, to Georgetown. Donc je vous souhaite les bienvenus à l'université de Georgetown. Je vais parler. Est anglophone ou arabophone, mais en tout cas, de bienvenue à Georgetown. Et merci beaucoup de venir, surtout. Parce que je crois qu'il y avait des difficultés, hein? Donc merci beaucoup. Ladies and gentlemen, Your Highness, welcome to. Mesdames et messieurs, votre Altesse, je vous souhaite le plus bienvenue à cette université de Georgetown. J'aimerais dire que j'aimerais vous souhaiter le bienvenu et d'avoir abrité cet événement. C'est tout cela, c'est grâce à Kyle, le centre de Kyle. Qui est l'abréviation du Centre pour la législation islamique et l'éthique. C'est une initiative qui fait part de la Faculté des études islamiques et qui a fait beaucoup d'initiatives entamées et encadrées par Son Altesse et aussi par M. Tara. Je suis très heureux d'avoir accueilli cet événement. Parce que c'est le genre d'initiative que la faculté doit entreprendre. Nous devons faciliter ce genre d'événements pour le public. Et c'est le genre des sujets dont nous faisons la recherche et dont nous étudions à l'université, tels que la philosophie, l'islam et la philosophie dans la société. Et nous avons deux personnes ici avec nous cette nuit qui vont débattre ces sujets. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence se déroulera ce soir en français. J'aimerais tout d'abord vous remercier, toutes celles et ceux qui ont œuvré au plus profond de leur âme afin de rendre cet événement possible. En premier lieu, j'aimerais remercier Son Altesse Cheikh Hamouza pour sa présence. Soyez la bienvenue. J'aimerais également remercier nos partenaires, WISE, le Sommet mondial de l'éducation, le Sommet mondial pour l'innovation, de l'innovation pour l'éducation, pardon, ainsi que l'Université de Georgetown. Un grand merci également à tous les membres du centre, le CIL, le Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique, toutes les équipes logistiques et techniques pour leur dévouement sans faille. Enfin, un grand merci à vous tous qui êtes présents ici ce soir. L'attente était particulièrement pressante, notamment particulièrement sur nos réseaux sociaux. Ce moment était très attendu, mais pas seulement pour le Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Et ce moment était attendu par toutes celles et ceux qui sont profondément convaincus que le monde traverse avant tout une crise éthique et la nécessité de replacer l'éthique au centre de nos vies, afin de rendre ce monde meilleur. C'est justement là le thème de notre soirée, notre conférence, l'éthique aujourd'hui, entre théorie et pratique. Comment expliquer ce décalage entre de si belles théories et des pratiques largement perfectibles? Le CIL est profondément convaincu qu'un retour aux textes fondateurs de l'islam, que sont le Coran et la Sunna, ajouté aux spécialistes de questions très spécifiques contemporaines, telles que l'éducation, l'environnement, l'alimentation ou bien les arts, permet de trouver des solutions précises et concrètes, mais pour toute l'humanité dans son ensemble. Mais dans le même temps, le centre est profondément convaincu que l'éthique n'est pas la propriété exclusive des musulmans. Comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, que l'on peut traduire par je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement, la bonne conduite, la bonne morale. Donc l'éthique peut être partout. Ainsi, lors des conférences, des séminaires et tous les travaux qui sont menés au centre, les savants des textes de l'islam travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes du contexte,
sur ces questions centrales, et ce, quelle que soit leur foi. Ils ont une expertise à apporter au monde, et nous sommes convaincus que le monde doit donc en bénéficier. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'assister à une discussion au sommet entre deux grands philosophes. C'est avec un plaisir et un bonheur incommensurable que nous accueillons ce soir avec nous M. Edgar Morin, philosophe, sociologue de renom, auteur de l'ouvrage « La Voix », qui est de loin une référence éthique, ami éternel de feu Stéphane Hessel, avec qui il co-signa « Le chemin de l'espérance », figure vivante de l'éthique, selon nous, de par ses nombreuses prises de position courageuses, droites et sans condition, notamment pour la Palestine et pour tous les peuples opprimés dans le monde où qu'ils soient. Afin de discuter avec lui ce soir, Tariq Ramadan, directeur du centre, professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford, il est également professeur invité à la faculté des sciences islamiques du Qatar. Sans plus attendre, messieurs, je vous laisse la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup, Badir, pour cette introduction. Et j'aimerais commencer à notre débat, mais avant ceci, j'aimerais infiniment remercier l'organisation de cette rencontre. Elle n'aurait pas été possible sans Cheikh Hamoza ici présente, que nous remercions pour sa présence, pour WISE également, puisque le sommet mondial pour l'innovation et l'éducation est finalement la raison de la présence de Edgar Morin. Et de cela, nous devons remercier et l'organisation de ce sommet mondial et en même temps Edgar Morin lui-même qui est là. Et pour ceux qui ne sont pas de langue française au départ, ou même de langue espagnole, puisque c'est dans les deux langues véritablement que Edgar Morin, au-delà du fait qu'il est reconnu internationalement, a une audience et une popularité immense. Et beaucoup ne se rendent pas compte de son impact et de la qualité de sa contribution. Et pour cela, j'aimerais le remercier, malgré des difficultés de santé, d'avoir fait un effort magistral pour être avec nous. Et depuis que nous nous connaissons et depuis que nous avons travaillé ensemble, non seulement quand j'étais jeune, ça il ne le savait pas, mais je lui l'ai dit quand je l'ai rencontré la première fois, il a été une de mes références sur la question des problématiques liées à la philosophie, à l'éthique et à la question de la complexité sur laquelle il s'est beaucoup penché. Mais ensuite, en le rencontrant et en travaillant avec lui, c'est devenu la parfaite traduction de ce que l'on connaît dans ce que l'on a trouvé au moment où Ibn al-Qayyim al-Jawzi interprète le hadith du prophète alayhi salam quand il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'est pas croyant, il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Il disait l'ukhuwa al-insaniyya, c'est la mention de la fraternité humaine. Et c'est aujourd'hui avec un frère en humanité et quelqu'un pour lequel j'ai un profond respect que je suis assis pour ouvrir cette discussion sur l'éthique. Alors, je vais lancer le propos et comme nous l'avons décidé avec Edgar, il répondra, ajoutera, complétera et puis nous aurons ensuite une discussion avec la salle. Mais nous parlons de l'éthique et nous parlons de la relation entre l'éthique et de la perspective théorique à la question pratique. Et donc ici, de là où nous nous trouvons, on parle toujours de l'éthique d'un point de vue. Et c'est vrai que dans la tradition musulmane, le centre, tel que l'a dit Badir à l'instant, toute la réflexion du centre, c'était de se dire comment se fait-il que pendant des dizaines d'années, et en particulier à partir du 19e siècle, mais c'est une longue tradition, elle commence au 13e, 14e siècle, elle commence même à l'origine de l'islam, on ait un concept que l'on revendique et dont on a raison de parler, que l'on a raison de revendiquer, qui est celui de l'ijtihad, qui est le raisonnement sur les textes.
et qui a pour fonction, cet ijtihad, d'apporter des réponses quand le texte coranique ou quand les traditions prophétiques sont soit pas définitives quant à leur contenu, pas complètes quant à la question contemporaine ou silencieuses. Et donc, c'est la porte ouverte, l'acceptation que l'on comprend en islam comme une bénédiction, quand il est dit dans le hadith du prophète « Sakata an ashya bighayri nisyan rahmatan bikum », c'est-à-dire que Dieu s'est tu sur un certain nombre de questions sans qu'il ait oublié, mais comme une bénédiction pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans le texte soit des silences, soit des espaces d'interprétation qui doivent permettre à l'intelligence humaine de développer des réponses pour des questions contemporaines. Comment se fait-il qu'avec cette notion centrale, la pensée musulmane contemporaine soit sur un certain nombre de questions dans la défensive et non pas dans la contribution? Ce qu'elle fut hier historiquement, à savoir une pensée qui a promu les sciences, qui a promu les arts, qui a promu l'architecture, qui a promu tout cet univers, tout à coup, et depuis un certain nombre de siècles, elle est en retrait et on apporte des réponses qui sont des réponses vraiment de réforme, c'est vrai. Personne ne peut nier le fait que la pensée musulmane contemporaine se développe avec des fatawas, des opinions légales qui sont nouvelles. Mais la nouveauté de la règle ne permet pas encore de changer le réel. C'est-à-dire que c'est une règle pour s'adapter au réel, mais pas forcément changer le réel. Et la question de l'éthique, elle est celle-ci. Elle est non pas de savoir comment on accepte le réel et on se tait en cherchant des règles qui nous permettent de nous adapter, mais comment à partir des valeurs, comment à partir des finalités, on change le réel pour le meilleur. Et c'est exactement ce que Edgar Morin fait dans son ouvrage, qui est un ouvrage de synthèse, qui s'appelle « La voix ». La voie, c'est comment penser un certain nombre de finalités, un certain nombre de principes pour changer le monde pour le meilleur, c'est-à-dire comprendre le monde et le changer et le transformer. Dans la tradition musulmane, ça c'est aussi vieux que la tradition musulmane. C'est-à-dire que notre compréhension de l'islam, c'est pas être, soyez des musulmans dans l'isolement, mais soyez des musulmans dans la participation à la transformation du monde. Comment se fait-il que nous en soyons là? Et donc là, on a un certain nombre de problèmes. Et moi, j'aimerais aborder quatre éléments, parce qu'on ne peut pas tout aborder. L'éthique, aujourd'hui, c'est phénoménal. Et comme ce matin, à Wise, Edgar Morin a offert une réflexion sur les questions d'éducation, c'est essentiel qu'on parle de ça. Parce que l'éducation est centrale sur la question de l'éthique, parce que l'éducation, elle est censée nous donner les moyens de notre autonomie. Un homme éduqué est un homme qui devrait être autonome, c'est-à-dire qu'il a les moyens d'agir dans le monde et de trouver sa voie dans le monde, de connaître les finalités, d'avoir les instruments de son autonomie et de pouvoir agir sur le monde. Donc c'est une question essentielle et Edgar Morin est de ceux qui ont été les plus profonds critiques de nos systèmes d'éducation actuels en disant « nous offrons à nos enfants » les moyens de leur fonctionnalité, non pas le moyen de leur indépendance, c'est de la personne humaine, de comprendre le monde et le changer. Et donc ça m'amène de là où je suis à poser des questions qui sont essentielles mais qui sont transversales. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons un problème entre ce qu'on appelle dans la tradition musulmane l'usul, les fondamentaux, l'qiyam, c'est-à-dire les valeurs, et puis l'ahkam, c'est-à-dire les règles. On a un problème, on a des tensions. Et nous sommes devenus une civilisation, malheureusement, toute société confondue, qui pense protéger le message en insistant sur les règles. C'est-à-dire une insistance sur l'ahkam, sur les règles, sur le fiqh, en pensant que c'est par là qu'on protège le message. Donc, surdétermination des règles, mais avec une chose qui est claire, et qu'on a vu dans notre centre, dans tous les débats que nous avons eus, on s'est rendu compte d'une chose. Si nous ne lions pas la règle et la finalité, nous perdons la finalité et nous sommes obsédés par la règle. De l'autre côté, quand on entend Edgar Morin, en Occident, qu'est-ce qu'on voit? Un univers qui surdétermine des libertés dans l'instant, pas en mettant en évidence que pour l'homme, il faut se libérer des règles,
Mais à force de se libérer des règles et être dans l'immédiat, ce que Edgar Morin dit, c'est que nous perdons les finalités. Nous sommes dans deux civilisations, l'une surdéterminant les règles, l'autre minimisant la notion de règle, la notion d'éthique, et finalement, dans les deux cas, nous avons un vrai problème de finalité. Quelles sont les finalités sur lesquelles nous avons à ouvrir ces débats? Le monde, la globalisation, a fait en sorte que s'il y a une chose que nous partageons, toute civilisation confondue, c'est l'amoindrissement des finalités. Je parle de grande civilisation parce que ce n'est pas vrai dans ce que relève d'ailleurs Edgar. Souvent, les traditions locales, au niveau de nos, même de nos campagnes, même en Occident des campagnes, il y a des finalités. Il y a des choses qui sont protégées. Toute la question est de savoir comment protéger la finalité du local dans un monde qui perturbe tout à partir du global. C'est une question éthique fondamentale. Donc on peut la poser théoriquement. Maintenant, comment on fait? Et moi, j'ai quatre domaines sur lesquels j'aimerais en même temps qu'on puisse discuter, et je me tairai ensuite. C'est le premier, c'est celui de l'éducation. Parce que c'est le sujet du jour et parce que je pense que c'est finalement l'élément fondamental. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est deux choses par rapport à l'éducation. Le grand problème que nous avons, c'est les contenus de l'éducation. Et en fait, la vraie question qu'a posée ce matin Edgar Morin, de façon simple, mais en même temps elle est complexe, la simplicité de la question montre la complexité du sujet, c'est de dire, en fait, quel est l'objectif et la finalité de nos éducations? Qu'est-ce que nous essayons de faire? Quel type d'homme éduqué voulons-nous dans nos sociétés? Fonctionnel, gagnant de l'argent, travaillant dans le monde tel qu'il est, ou autonome, conscient, changeant le monde pour ce qu'il devrait être? Est-ce que nous donnons à nos enfants la compréhension du monde? Il y a une chose qui est... Mais c'est élémentaire. Edgar Morin parlait aujourd'hui, par exemple, de la... enseigner la connaissance de la connaissance. D'ailleurs, la dimension historique aussi est de la connaissance, est l'histoire de la mémoire des hommes, aujourd'hui, dans, nos... dans tous les systèmes, ici, dans le monde, au Moyen-Orient, comme dans les sociétés les plus avancées en termes industriels ou en termes de développement, ben nous nous apercevons que nous avons un vrai problème sur, par exemple, l'enseignement de l'histoire. En Occident, il y a une déperdition de la question de l'histoire. Et la question de l'histoire, elle pose la question de l'éthique, parce que c'est aussi dans l'histoire qu'on apprend les valeurs. Les valeurs de ce que c'est qu'un être humain, les valeurs de... qui ont été trahis dans le passé. Et le deuxième élément qui saute aux yeux, c'est l'enseignement du civisme, c'est-à-dire la connexion entre l'école et la société, l'école et la cité. L'école, en tant qu'individu, est le citoyen. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème sur comment développer ça et comment enseigner ces valeurs et comment enseigner cette éthique. Finalement, Edgar Morin, de ce que je lis, appelle à une réforme radicale des systèmes scolaires parce qu'il pointe du doigt le fait que l'éducation aujourd'hui est une éducation qui pense ses structures mais qui ne révolutionne pas son contenu. Et il y avait un sondage ce matin d'ailleurs où 85% des personnes sondées pour Wise disaient qu'il fallait revoir l'ensemble des systèmes scolaires et celui qui présentait disait ben, vous avez affaire à des révolutionnaires. En théorie, comment on passe à ceci? Et d'ailleurs, quelqu'un l'a tellement bien compris qu'il a interpellé Edgar Morin et lui dit « En France, comment vous faites ?» Et la réponse a été « En France, on est obligé de constater qu'il y a une vraie résistance à ces changements, il y a des opérations marginales. » Première question. Deuxième question, très rapidement, j'aborde quatre éléments où je pense que nous avons à faire ce travail. Et d'un point de vue des sociétés majoritairement musulmanes, il faudra bien qu'on se pose cette question-là. Est-ce que le but, c'est d'emprunter des systèmes scolaires à des civilisations qui sont en avance économiquement, ou est-ce qu'il s'agit de tirer le meilleur des systèmes et de les adapter à la réalité? D'avoir une discussion même avec Georgetown University, quel est le but? Quel est le type de contenu de l'enseignement? Qu'est-ce que l'on cherche? On ne peut pas avoir une éducation qui a un fondement éthique ici si on ne tient pas compte de la culture, ici des réalités, ici de la psychologie collective ici. Et le problème, c'est que nous avons réduit l'enseignement à des structures, à des réformes de structurelles et non pas à des reconsidérations de contenu d'enseignement. Deuxième élément, et ça c'est une question qui est fondamentale. Il fut un temps où dans la pensée musulmane, au nom même de sa foi, on encourageait le savoir.
parce qu'on n'avait pas peur de savoir, puisqu'on avait une voix profonde. Et plus on savait, mieux on croyait. Aujourd'hui, le monde musulman est paralysé quant à la créativité scientifique, à ce qui est le mot de l'innovation. Même le mot innovation, on a peur. Parce que c'est mubtada, bid'a, on a tout de suite attention. Même avec le mot innovation. Or, la notion scientifique, elle est déterminante ici. Et dans le livre de les livres, pas seulement la voix, mais les livres, la question des savoirs, où on a un vrai défi. Aujourd'hui, dans le monde majoritaire musulman, on aimerait importer le savoir sans avoir compris que le plus grand défi en Occident aujourd'hui, ce n'est pas les savoirs, c'est la fragmentation des savoirs. C'est le fait que les savoirs ne sont plus connectés, qu'on n'a plus du tout de perception globale. Et qu'aujourd'hui, on demande aux savants, al-fuqaha, de venir répondre à des questions spécifiques de détails sans se rendre compte que le problème, ce n'est pas le détail, c'est la vision globale. Qu'en répondant aux détails, on confirme la fragmentation. Et qu'en confirmant la fragmentation, on ne peut plus avoir de conscience des finalités. En fait, l'ordre du savoir a rendu quelque chose qui était le plus grand danger, que Rabelais, un penseur français, disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais spécialisation sans conscience du tout est ruine du projet scientifique. C'est ça qu'on est en train d'assurer. Et nous, on importe ceci dans les sociétés qui veulent, et on se dit, ben, on est au point. Les fuqaha, on va parler de bioéthique, on va parler de l'éthique, mais l'éthique doit penser le global, elle ne peut pas se suffire de la réponse appliquée au détail. On a eu une séance, juste pour vous dire, une séance en bioéthique, et on a le professeur qui s'occupe de la bioéthique ici, on a eu une séance, à un moment donné, un savant musulman arrête tout dans la discussion et dit, attendez, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la santé. Parce qu'à force de donner des avis juridiques sur le détail de l'organe, on ne sait plus ce que c'est que la personne humaine et la santé. Donc la fragmentation détruit l'éthique parce qu'en fait, en l'implosant, elle en fait perdre le sens. Deuxième élément, la fragmentation des savoirs. Et aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à se poser la question, comment appliquer ceci concrètement aux sciences. Troisième sujet sur lequel on doit aussi discuter et qui parle de l'éthique en tant que telle, qui est un des éléments déterminants, même de la relation qu'on a les uns avec les autres, c'est la question de l'information et des médias. Et dans un débat que j'avais eu avec Edmar Morin, il avait dit une chose qui était très vraie, il avait dit non seulement il faut penser les médias de façon globale, mais il faut penser les médias de façon globale dans la civilisation qui leur donne sens. C'est-à-dire il faut connecter les médias à l'univers de sens. Parce que si on ne prend que les médias et on regarde les défauts de la structure, on ne se rend pas compte que c'est lié à l'ère de civilisation. C'est lié à une civilisation de l'immédiateté, de la pression des médias. Et aujourd'hui, toute la question qui se pose pour nous, c'est l'éthique dans le journalisme. L'éthique dans l'éthique, se rendre compte qu'un journaliste est un citoyen et qu'il doit y avoir une éthique et que l'éthique, elle est aussi sur les modes de rapport de l'information, puis les finalités aussi de l'information. Or aujourd'hui, les neurosciences nous disent qu'on a trop d'informations qui nous viennent au cerveau pour pouvoir les gérer. Et s'il n'y a pas de la régulation, eh bien, nous perdons même le sens de ce que peut être le fait d'être informé. Informer, c'est-à-dire se former et former le monde aussi, ou transformer le monde. Et donc ça, c'est un autre domaine où trop de moyens tuent les fins. Trop de moyens de communication tuent les finalités. On ne sait plus quelles sont les finalités. Le dernier élément sur lequel on a aussi, il faut avoir une discussion, c'est la question des pouvoirs. L'éthique appliquée doit s'occuper de la question du pouvoir. Parce que, au bout du compte, la question du pouvoir, c'est le pouvoir politique, bien sûr. Alors, ce matin, Edgar Morin a eu une discussion, a eu une question sur la laïcité. Il a mis en évidence, attention, c'est l'espace de l'école où il n'y a pas d'imposition du religieux. Fondamentalement, la question de la sécularisation dans les sociétés occidentales, c'est la séparation des autorités. Dans les traditions musulmanes, la séparation des autorités ne nous pose pas problème, fondamentalement. Ce qui nous pose problème, c'est le divorce entre le politique et l'éthique. Ça pose un problème. Mais en fait, ça pose un problème même en Occident aujourd'hui. Parce que ce qui a pris la place du religieux en termes d'imposition de sa dogmatique, c'est aujourd'hui l'économique. C'est-à-dire que les États ne sont pas
autonomes. Ils ne sont pas complètement autonomes. Il y a aujourd'hui des puissances économiques qui décident pour l'État sans que les citoyens puissent dire quoi que ce soit. On est dans une vraie question de quelle est aujourd'hui la réalité de la gestion des pouvoirs. L'éthique en économie ou l'éthique en politique sont des vraies questions. Alors s'asseoir en disant « je ne veux pas de religieux dans l'étatique », d'accord, mais quel type d'économique voulons-nous dans le religieux? Et je vous donne juste un exemple qui était une des discussions qu'il y a eu en France, qui était en fait une question que posait sur la question de la laïcité, même dans l'entrée dans les écoles, Régis Debray. Il disait, moi je ne veux pas dans les écoles de signes religieux parce que l'école doit être neutre. Il disait, mais je ne veux pas non plus n'importe quel signe qui soit un signe de puissance économique. Dans toute annonce où il y a Coca-Cola, Nike, pas dans l'école. Pourquoi laisserions-nous rentrer les signes économiques et pas les signes religieux? Quand il y a une cohérence dans ce qu'il dit. En fait, ce qu'il est en train de dire, quel type de citoyen voulons-nous éduquer? Je ne suis pas d'accord, moi, avec le fait qu'il ne faut pas de signes religieux. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on se pose la question du pouvoir économique sur notre citoyenneté. Voilà des questions qui, pour moi, sont centrales et fondamentales et sur lesquelles Edgar Morin a énormément travaillé. C'est des questions que je me pose de l'intérieur de mon aire de civilisation par rapport à ma culture, par rapport à ma religion, moi je suis de culture européenne mais de religion musulmane, et on a ces questions-là, il faut qu'on les pose et c'est là où on doit travailler ensemble parce que finalement nos finalités sont souvent semblables même si nos chemins sont différents. Voilà. Merci Tariq pour cette introduction qui montre à quel point les problèmes éthiques sont liés à tous les autres problèmes fondamentaux. Et tout d'abord, il y a cette chose qui me semble extrêmement frappante, c'est qu'on a séparé les problèmes de la connaissance des problèmes de l'éthique, du devoir. Et du reste, ce matin, dans mon exposé, je parlais, par exemple, de la nécessité d'enseigner la compréhension humaine. Enseigner la compréhension humaine, c'est quand même enseigner la relation avec autrui. La relation avec autrui, pour comprendre autrui, il faut nécessairement avoir un mouvement d'empathie. Sinon, on a une vision absolument froide, objective, et on ne comprend pas, on n'est pas capable de saisir toute la complexité d'autrui. Et pour, disons, ce matin, j'insistais sur l'importance du problème de l'erreur et de l'illusion, d'où l'importance du problème de la connaissance. Alors, là-dessus, on peut dire, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Et pourtant, peut-être pour moi, un des plus grands philosophes français qui s'appelle Pascal avait dit, travailler à bien penser, voici le premier principe de la morale. C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que nous savons qu'en général, une connaissance qui peut être objective, et par exemple la science, la connaissance scientifique moderne, elle élimine tout jugement éthique et elle élimine tout jugement qui ne soit pas purement objectif sur des objets. Et on peut dire qu'à ce moment-là, cette science, elle a fait des grands progrès justement par le fait qu'elle a éliminé l'éthique, le politique, le religieux. C'est vrai, elle a fait des progrès tellement gigantesques qu'aujourd'hui, cette science qui n'est plus contrôlée produit l'arme nucléaire, produit des moyens de manipulation, et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui que la science est devenue tellement puissante qu'effectivement il lui manque un contrôle éthique et que ce contrôle éthique qui pourrait être un contrôle politique manque aussi puisque la politique elle-même manque du contrôle éthique. Et nous avons en quelque sorte aujourd'hui une tragédie essentielle de notre époque, c'est celle de l'éthique. Alors, avant de regarder un peu plus avant dans cette direction,
je voudrais, moi, indiquer quelles sont, à mes yeux, les sources anthropologiques, humaines, de l'éthique. Tout être humain a en lui deux principes fondamentaux en tant que sujet. En tant que sujet, c'est quelqu'un qui dit « je ». Et quand il dit « je me mets au centre du monde, ou du moins de mon monde. Donc je suis égocentrique. Alors l'égocentrisme est une chose vitale. Je dois me nourrir, je dois me défendre, je dois me développer, je dois penser à moi pour vivre, pour survivre. Mais nous nous rendons compte que dès sa naissance, l'être humain a en lui un deuxième principe qui lui est complémentaire et qui même lui est antagoniste. C'est le principe non pas du « je », mais du « nous », où le « je » est englobé dans le « nous ». Et dès l'enfance, l'enfant a besoin de l'amour de sa mère, du sourire, du bercement, de la famille, de ses frères, de ses parents. Et puis il aura besoin d'amis, il aura besoin de fraternité, il aura besoin de communion. Et ce besoin de communion, ce besoin du « nous », peut être plus important que le besoin du « je », puisqu'on peut être capable de se sacrifier pour sauver sa famille, pour sauver sa patrie, pour défendre sa foi. Donc, voici le paradoxe de l'être humain. Et c'est vrai que dans la civilisation occidentale, il y a eu un surdéveloppement du « je » et du « moi-je » et un sous-développement des solidarités, des « nous ». Le « nous » existe encore dans l'amour familial, dans les amitiés, dans les communions, dans les partis politiques, dans les religieux, mais il est sous-développé par rapport au « je ». Et ça, je crois que c'est une première chose fondamentale. Comment développer ce sens du « nous » C'est ça. Or, là-dessus, il faut penser que ce « nous » qui est le fondement de l'éthique, parce que c'est la source de l'éthique, c'est quoi ? Responsabilité et solidarité. C'est-à-dire, on est dans un groupe, on est dans une tribu, on est dans une petite société, on est dans une famille, et à ce moment-là, nous avons... l'éthique naît dès que nous nous sentons en même temps responsables et solidaires par rapport à autrui. Ça, c'est les sources. Et après, la source, l'éthique se développe sous différentes formes. L'éthique est toujours quelque chose de relationnel, de relation avec autrui. Et quelle est la bonne relation éthique avec autrui ? La bonne relation éthique avec autrui, c'est de comprendre que l'autre est à la fois différent de soi et semblable à soi. Il est différent par son caractère, par ses mœurs, quand c'est un étranger, par ses coutumes, par sa religion, par son credo. Mais en même temps, cet être si différent, il est profondément semblable, capable de souffrance, de bonheur, de joie, d'amour, d'amitié, etc. Donc, c'est sentir déjà, si dès que vous sentez que l'autre, c'est uniquement l'étranger, le différent, et non plus le semblable, vous perdez la possibilité de la relation éthique. Et à ce moment-là, cette possibilité de relation éthique est aussi une relation intériorisée à soi. C'est ce qu'on peut appeler le sens de l'honneur. L'honneur, c'est de ne pas se décevoir soi-même, c'est d'avoir une dignité pour soi-même. Et c'est évident que si on a ce sens de l'honneur, de sa propre dignité, on peut ne pas essayer de ne pas tomber dans des vices qui sont la rancune, qui sont la méchanceté, qui sont les hostilités, les rancœurs. Et nous pouvons justement s'y être meilleurs pour soi, honorant, meilleur pour autrui. Voilà, si vous voulez, on est dans la relation éthique. Et que je veux revenir à ce que je disais sur le fait de cette formule de Pascal, travailler à bien penser. Ça ne veut pas dire qu'on réduit l'éthique
et une pensée correcte. Éthique, ça ne veut pas dire simplement il suffit de ne pas se tromper, il suffit de voir la complexité des choses, non. Encore que si vous avez le sens de la complexité des choses, vous pouvez avoir déjà des préliminaires à l'éthique. Prenez par exemple, imaginons qu'est-ce que serait une société extrêmement complexe. C'est une société où les personnes, où les groupes ont beaucoup de liberté. Bon, mais à la limite, s'il n'y a que les libertés et des groupes, et que le seul pouvoir d'unité est dans les autorités, la police ou l'armée, c'est une société qui effectivement manque de complexité parce qu'elle réduit les libertés. Et s'il n'y a pas la police et l'armée, la société se désintègre. Alors quel est le moyen pour que la société complexe ait son unité sans que ce soit, cette unité soit, vienne et soit imposée par le haut? Mais c'est que chaque personne sente en lui-même une sorte, ce qu'un psychanalyste appellerait un surmoi, c'est-à-dire dans son esprit, la présence de la communauté, la présence des autres. Plus on est solidaire, plus il peut y avoir de la complexité et de la liberté. Encore que vous savez que la liberté, toute seule, comme disait le philosophe Hegel, la liberté c'est le crime. Bien entendu, la liberté doit être régulée, mais en même temps c'est l'expression et l'épanouissement de l'autonomie. Alors, cela étant dit, je reviens encore à cette question bien pensée. C'est quelque chose de capital à mes yeux sur le plan éthique. C'est que les bonnes intentions ne suffisent pas. Le grand philosophe de la morale européenne, qui est Emmanuel Kant, disait une morale en disant « Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ». C'est-à-dire, pour ce philosophe, c'est l'important, c'était l'intention morale, l'intention de faire le bien. Or, ce que nous savons, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas pour faire de bonnes actions. Nous avons un proverbe français, je ne sais pas s'il existe chez vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Or, ce qui est important à ce moment-là, c'est que ce que moi j'ai appelé l'écologie de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire l'écologie de l'action? Ça veut dire que quand vous prenez une décision pour faire une action, bien entendu une bonne action, une action que vous croyez salutaire, bénéfique, l'action, vous la lancez, l'action se développe. Or, l'action commence à vous échapper parce qu'elle entre dans un jeu d'interaction, de rétroaction sociale différente, etc. Et finalement, cette action peut changer la direction, ne pas obéir à la direction que vous lui avez donnée, et peut-être même se retourner contre vous. Et combien, dans l'histoire humaine, d'actions ont été décidées avec une finalité donnée et qu'elles ont abouti à une finalité contraire? Pour prendre un exemple historique qui est la Révolution française de 1789, celle-ci a été déclenchée au début par une réaction de l'aristocratie qui voulait reprendre des pouvoirs à la monarchie absolue qui s'était affaiblie. Elle a convoqué les états généraux qui sont des assemblées du clergé, de ce qu'on appelle le tiers état, le peuple et de l'aristocratie, où en général il y avait l'aristocratie et le clergé qui étaient d'accord. Mais là-dessus, l'Assemblée du peuple a renversé le mouvement et ce qui était une intention aristocratique est transformé en une révolution bourgeoise ou populaire. Et combien de décisions politiques, de guerres sont décidées en étant sûres de la victoire? Ça veut dire que les décisions éthiques est toujours un pari. Et ce pari, lui, si on est conscient qu'on fait un pari,
On est conscient des dangers que l'action peut apporter. Et l'idée de Paris est très importante, surtout dans, je pense, quelque chose d'éthique qui est capital et qui est le pardon. Le pardon, c'est pas seulement si quelqu'un qui a commis un méfait vous demande pardon d'un cœur sincère, vous lui pardonnez, ceci est évident à mes yeux. Le pardon, c'est quand vous pardonnez pour inciter celui qui a fait le mal, voire le crime, à se repentir. Et c'est un pari, vous pouvez échouer, mais si vous réussissez, si vous touchez le cœur de cette personne qui a fait le crime ou le délit, vous le transformez, vous faites un phénomène de rédemption. Et je pense que l'éthique demeure toujours un pari. Nous ne sommes jamais sûrs d'avoir les bons résultats que nous espérons. Mais évidemment, on ne peut pas faire l'inverse. Nous ne pouvons pas avoir des mauvaises intentions pour faire de bonnes actions. En fait, alors que souvent, dans les récits, on voit que, dans, par exemple, je prends la tragédie Faust de Goethe, qui est une tragédie extrêmement connue, où vous savez que le docteur Faust aime Marguerite, une jeune fille pure, mais que le démon, Satan, veut perdre et Faust et Marguerite. Alors, Faust, tout ce que veut faire Faust pour le bien de Marguerite, échoue, la rend malheureuse, la rend et la pousse vers le désespoir et le malheur et la perdition. Mais comme le démon, lui, veut perdre Marguerite et veut perdre Faust, il fait tellement de choses que le Seigneur, le souverain, intervient et sauve Marguerite. C'est-à-dire que les bonnes actions de Faust perdaient Marguerite et que la méchanceté du démon a fini par jouer en sens contraire. Et à mon avis, c'est un peu l'exemple. Nous sommes toujours dans les paris éthiques. Mais à ce moment-là, ça veut dire que nous devons contrôler le sens de l'action. Nous devons avoir une stratégie pour voir si elle se déroule bien. Nous devons utiliser les informations qui arrivent en cours de route pour remodifier notre action. C'est ça le problème d'éthique, c'est-à-dire la collaboration entre ce mouvement du cœur, ce mouvement qui est éthique, et ce mouvement de la raison qui est le contrôle, qui est le savoir, qui est la connaissance. Et aujourd'hui, justement, le grand problème, et je veux terminer là, c'est le problème, il y a ce divorce aujourd'hui entre la connaissance et l'éthique, et spécialement la connaissance scientifique. Et que ce divorce est aussi aggravé par ce divorce dont tu as parlé entre la politique, disons, et l'éthique. Par quoi ? Pourquoi ? Parce que la politique est domestiquée par l'économique et que l'économique aujourd'hui est déchaînée. Nous savons que l'économie, que le marché par exemple, est une chose utile tant que joue la véritable concurrence. Mais quand aujourd'hui se déchaînent au-dessus du marché des puissances financières mondialisées, incontrôlées, il est évident qu'à ce moment-là, il n'y a plus de marché au sens littéral du terme, et que d'autre part, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une désintégration de la pensée politique, incapable de penser le monde moderne, parce que si on peut faire une bonne action pour le monde moderne, si on est capable de le penser dans toute sa complexité, ce qui est un travail difficile, mais nécessaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la politique a été complètement, excusez-le, il est complètement inconscient. Vous savez, cet animal-là, je ne l'ai pas bien contrôlé. Alors, nous sommes dans un univers donc, où le politique s'est décomposé faute d'une pensée. Et l'absence de la pensée politique a fait qu'une certaine économie a pris le pouvoir de la politique et a pensé que le but de la politique était
se pouvait se mesurer quantitativement la croissance, etc., le PIB, le produit intérieur brut, etc. Or, il faut ressusciter une pensée politique, il faut revitaliser une éthique, et il faut contrôler une science déchaînée, et il faut que la connaissance collabore dans une dialectique permanente avec l'éthique. Tout ceci, ce sont des « il faut », évidemment, ce sont des mots, mais sous indique la direction. On n'a aucune recette, je n'ai aucune recette dans ma poche pour traiter. Mais ce que je peux dire, c'est que si on continue, on va vers des graves mécomptes, des catastrophes en chaîne, et donc il y a un redressement. Et le sursaut doit être un sursaut à la fois éthique et cognitif. Les deux sont liés. On ne peut pas faire aujourd'hui l'un sans l'autre. Voilà mon point de vue. Bien, avant de passer la question, peut-être à la salle, mais moi j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que j'ai un problème avec la formule « l'éthique est un pari ». J'ai un problème avec la formule, pourquoi ? Parce que moi j'aurais dit « l'éthique est une nécessité ». Alors, la question est, l'éthique est un pari, ce que tu entends par l'éthique est un pari quant au résultat, parce que de là où je me situe, dans la pensée religieuse ou dans la pensée qui a un référent religieux, c'est jamais un pari, c'est une nécessité. Et nous ne sommes même pas tenus par le résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça je pense que tu as dit une chose qui est très importante, qu'il faut que toutes les traditions religieuses entendent. Parce que la formule « l'enfer est pavé de bonnes intentions », c'est que nous, on a une formule qui dit « innamal a'mal ou bin niyat ». Les actes valent par leurs intentions. Mais ce qui est très, alors, ça, on peut s'arrêter à cela en disant « la bonne intention suffit ». Non, l'acte en lui-même ne se suffit pas pour être jugé. On peut avoir agi mal avec une bonne intention. Donc, on va être jugé sur l'intention. Mais la bonne intention ne suffit pas pour changer le monde pour le bien. Et ça, c'est une formule, une pensée qu'on trouve non seulement chez des juristes musulmans, mais qu'on trouve aussi dans les philosophes musulmans. Et je pense que c'est très important de rappeler ceci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire l'éthique à la bonne intention. Elle est liée à deux éléments que tu mets en évidence, c'est-à-dire l'éthique et la connaissance, le cognitif et le bien comprendre de Pascal. Maintenant, j'ai un problème, parce que quand tu dis c'est un pari, ça donne l'idée que c'est une probabilité intellectuelle. Alors, c'est pour ça que j'aimerais que tu expliques, parce que pour moi, c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'à partir de là où je me trouve, on ne peut pas vivre dans ce monde si on ne fait pas le choix de l'éthique et qu'on ne passe pas du théorique au pratique. Donc, où est le pari, en fait ? Alors, je crois qu'il y a un malentendu. Je pense que l'éthique est une nécessité et qu'il y a une nécessité de faire un pari. Voilà ce que je dis. Et le pari, il est de quelle nature ? Non, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas échapper au pari, mais nous devons le faire. Par exemple, quand j'ai fait récemment un article sur la situation en Syrie, par exemple, je disais que intervenir, c'est un pari, on peut voir toutes les conséquences qui arrivent. Mais ne pas intervenir, c'est aussi un pari, parce que c'est laisser un processus. Donc, et je pensais à ça, et j'ai dit, alors, peut-être qu'il y a un troisième pari à faire. C'est-à-dire que je me rends compte que, disons, chaque fois, je dois, pour moi maintenant, mon hygiène éthique, c'est que moi, je suis de ceux qui veulent agir pour le bien commun, bien entendu. Je suis celui... De ceux qui ressentent en soi, disons, ce mouvement éthique comme toi. Mais je sais que chaque fois que je vais faire quelque chose pour le bien de quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui me soit proche, qui me soit lointain, je peux faire une erreur, je peux me tromper, et à ce moment-là, je vais être très vigilant pour contrôler les suites de mon action. Mais je ne nie absolument pas cette nécessité éthique profonde. Maintenant, je vais ajouter une chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que ce sens de la solidarité, de la communauté, qui est à la base de toutes les éthiques, dans toutes les sociétés, dans tout le monde, etc.,
aujourd'hui, il doit durer, il ne doit pas se dissoudre dans la mondialisation, il doit se sauvegarder, mais en même temps, il doit nous hausser à une ouverture. Parce que, par exemple, la maxime « tu ne tueras point », elle était valable au sein de son groupe, de sa nation. Et quand on faisait la guerre à son ennemi voisin, on tuait. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation mondiale où l'étranger, le voisin, l'autre, doit être considéré aussi comme faisant partie d'une grande communauté humaine, d'une sorte de... Au-delà de la Oumma islamique, il y a une Oumma anthropologique, profondément humaine. Et dans le fond, aujourd'hui, nous devons concilier l'éthique de notre nation, dont nous devons rester solidaires, avec une éthique de nouvelle de la solidarité humaine, puisque désormais, nous sommes dépendants de cette mondialisation qui elle-même dépend de mouvements locaux généraux. Voilà ce que je voulais ajouter. Non, je pense que ce dernier point, il est très important, et tu le dis sous forme de boutade, mais c'est essentiel, le passage entre la Oumma perçue comme la Oumma islamique à la solidarité humaine, à la fraternité humaine, c'est une question, elle est majeure, parce que c'est toute la question de l'appartenance, l'éthique de l'appartenance, à qui elle appartient, et comment on fait en appartenant à une communauté, un groupe, une société, une nation, et puis l'humanité. J'ai une autre question qui est apparue dans ce que tu disais, et je l'ai réalisée en t'écoutant maintenant. C'est-à-dire que tu dis, et ça c'est aussi une chose très très importante, moi je m'aperçois en travaillant sur les références musulmanes qu'on ne sortira pas vainqueur de l'éthique appliquée si on ne refait pas le lien avec une dimension dont tu as parlé à un moment donné sur la fin de ton exposé. Tu as dit, ça passe par la conscience et le cognitif, donc la connaissance, mais tu as dit, en parlant du pardon, que l'éthique est une question de cœur. Et ça... Aujourd'hui, c'est ton lien entre l'individu qui se pense dans la communauté et donc qui peut passer du je à nous. On ne le passe pas uniquement intellectuellement. On le passe par la notion du cœur et par la notion de cette relation interpersonnelle, la compassion. Dans les traditions religieuses, c'est peut-être là où entre des perspectives qui sont humanistes sans Dieu ou humanistes avec Dieu, parce que l'humanisme n'est pas le monopole de ceux qui ne croient pas en Dieu, l'humanisme est partagé par tous, mais l'humanisme avec Dieu ou l'humanisme sans Dieu, c'est quand même peut-être de faire le lien entre toute l'expérience spirituelle que l'on a dans les traditions, de l'extrême-orient comme dans les monothéismes, qui est de dire, en fait, vous ne parvenez à la compréhension de l'éthique et de la notion de solidarité que par un travail spirituel sur le « je », sur le « vous », dans la transformation que vous avez du « je », pas simplement par le « surmoi », mais par une vraie connaissance du sortir de l'ego, de sortir de l'acceptation du « je » sans l'enfermement dans l'ego. Et j'ai l'impression que peut-être, dans les discussions qu'on a, même dans les sciences sur la question d'éthique, on est même devenu structuraliste dans notre façon de penser l'éthique, c'est-à-dire qu'il y a une absence de cœur dans notre façon même de penser les valeurs. Et que dans ma tradition musulmane, aujourd'hui je suis convaincu de ça. On ne peut pas penser la compréhension de l'éthique appliquée sans une constante référente à la notion de spiritualité, même de mystique, ce qu'on avait eu dans la discussion de mystique, c'est-à-dire véritablement du rapport à soi, c'est-à-dire de la compréhension de soi. Et ce n'est pas un hasard si on est un être humain qu'en ayant compris aussi dans l'éducation le sens des valeurs. Et c'est ce que tu dis. Et j'ai l'impression que dans les débats que j'ai avec beaucoup de mes concitoyens, en dehors de la Oumma islamique, que c'est une notion qui est absente. On parle de valeurs, on parle de normes, on parle de finalités, et toi tu viens et tu dis, non mais il y a peut-être le problème de l'éthique, c'est quand même une question de cœur. Oui. Moi j'ai voulu en effet parler des sources de l'éthique. Et je pense que, disons, le sentiment du « nous » ne vient pas d'une réflexion intellectuelle, il est existentiel. Alors, nous pouvons le comprendre intellectuellement, nous pouvons le développer rationnellement, mais il est existentiel. Alors, on utilise la métaphore, le cœur, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est profondément lié à notre affectivité.
Et c'est, disons, c'est toute l'importance, en effet, de l'affectivité humaine. Sans affectivité, sans amour, sans sentiment, sans passion, on n'est rien. Et, mais aussi, l'affectivité a des côtés négatifs, la rancune, la haine, la méchanceté. Donc, si vous voulez, l'affectivité, dans le fond, elle a besoin d'être contrôlée par la raison, sinon elle devient délirante. Mais la raison seule, froide, elle-même est quelque chose de monstrueux, de glacé. Donc, nous devons toujours jouer mais, et cette présence-là. Ça, c'est à la base. Maintenant, la question du travail sur soi, de ce que tu appelles la spiritualité, je pense qu'en effet, c'est très important. D'abord, il y a un premier niveau. C'est-à-dire que on doit faire en permanence un travail d'auto-examen qui doit être même autocritique. Pourquoi ? Parce que nous avons une tendance toujours à nous justifier, ce que les Anglais appellent la self-deception, à donner le mauvais rôle, à reporter sur autrui les défaillances, les carences, les faiblesses. Nous devons savoir que nous-mêmes, nous sommes des êtres qui avons des manques, des négligences, des faiblesses, des erreurs, des aveuglements. Nous devons être à la fois humbles à l'égard de nous-mêmes et tout en essayant d'avoir ce que j'ai appelé l'honneur. Alors, je pense que si on a cette humilité, et je pense que les religions comme le christianisme demandent cette humilité, n'est-ce pas, de soi, je pense que cette humilité est très importante. Donc, ça, c'est une partie du travail sur soi. Et je pense qu'aussi, parce que le mot de spiritualité, on peut le mettre à toutes les sauces, mais c'est vrai que ce qui manque, et ce qui manque dans la civilisation occidentale, ça a été un peu ce sens de l'intériorité, des besoins spirituels, des besoins de l'âme. Et ce n'est pas par hasard qu'en Europe, par exemple, comme aux États-Unis, aussi bien les pratiques yogistes, hindouistes, que le bouddhisme, que tout l'islam lui-même, sont des formes de croyance et de spiritualité qui essaient de répondre à ce vide moral, ce vide spirituel, c'est vrai. La civilisation occidentale a surdéterminé l'importance de la matérialité et de la technicité au détriment de ce qu'on peut appeler d'un mot, évidemment, qu'aucun biologiste ne pourra localiser en nous, l'âme, le corps, le cœur, l'esprit, mais nous savons que c'est, si on ne peut pas les reconnaître à la radiographie, à l'échographie, mais nous savons par expérience intérieure qu'elles existent en nous. Et c'est ça, je crois, qui est important. Merci. Merci, monsieur, de cette sublime intervention. Nous allons prendre maintenant, si vous le voulez bien, des questions. Nous avons des micros à votre disposition. Nous vous demanderons, s'il vous plaît, d'être le plus concis possible et le plus court possible afin de pouvoir bénéficier des réponses de nos intervenants. Question ici, devant. Est-ce que je pourrais avoir un micro ? Le micro arrive, monsieur. OK. Donc, je pense qu'on va prendre quelques questions qu'on vous soumet pour une réponse. شكرا دكتور طارق على هذه الأمسية وهذه الاستضافة للفيلسوف الكبير إدغار مورا. Merci pour cette invitation. J'ai une question philosophique. Une question philosophique au docteur Tarak. Est-ce qu'on peut penser aux valeurs en dehors de la religion ? Est-ce qu'on peut penser à la valeur ou à des valeurs en dehors de la religion ? Il y a quelque chose d'anthropologique, comme vient de dire M. Morin, et il y a un point commun. Par exemple, le vol chez les musulmans, c'est criminel, chez d'autres peuples, c'est interdit. La différence entre l'interdit et le criminel. Deuxième question, sociologique.
Docteur Edgar Morin. C'est la spécialité de Docteur Morin. Les valeurs, c'est une confection sociologique. Les valeurs sont une confection sociologique, mais il y a aussi cette recherche de la valeur. Ce n'est pas métaphysique, ce ne sont pas des idées métaphysiques, mais c'est une confection sociale. Le prophète a dit, apprenez à vos enfants la poésie, un certain poème qui s'appelle l'Amir al-Arab, apprenez à vos enfants ce poème parce qu'il va apprendre à vos enfants les vraies valeurs humaines. Troisième question concernant les relations politico-sociales et politico-économico-sociales. Alors, c'est le pouvoir qui dirige tout, c'est le pouvoir qui dirige l'économie, donc c'est le pouvoir qui devient le vrai dirigeant des valeurs. Une autre question. Sohel. Traduit tout à l'heure. On va vous traduire les questions, monsieur Edgar Morin. Je vous remercie pour cette très belle conférence. Moi, je veux revenir à la réalité. Vous avez parlé de la morale. Et c'était l'une des demandes du printemps arabe qui a poussé vers le « nous » et non pas vers le « je ». Pourquoi, à votre avis, il y a eu un recul par la suite et une chute de ce printemps arabe ? À notre sujet, quelques partis politiques islamiques ont essayé d'appliquer la morale d'après leurs références, mais c'était des raisons dont ils ont créé des conflits et tout a tourné contre eux, comme on a vu en Tunisie, en Égypte. Comment peut-on se comporter avec... Question au troisième rang, s'il vous plaît. Et ensuite, on va écouter, si vous le voulez bien, les réponses. Afin de ne pas surcharger nos intervenants. Monsieur. Je remercie Monsieur Tariq Ramadan et Monsieur Edgar Morin sur ce fameux débat. Monsieur Edgar Morin, vous avez fait mention, vous avez lié entre Paris et Action. Et vous avez bien souligné qu'il faudrait contrôler justement le sens de l'action. Dans votre réplique à la dernière question qui a été posée, vous avez dit que c'est un pari qu'il faudrait voir dans le sens de bien choisir la finalité. Donc de bien choisir un futur parmi des futurs possibles souhaités. Ce qui nous renvoie au travail gigantesque qui a été développé par votre grand ami Frédéric Dunod, qui a commencé par repenser la prospective et qui a été achevé par le projet auquel vous avez bien contribué et qui est la prospective anthropopolitique. Alors ce projet-là, s'est-il tu par la mort de M. Dunod ou alors il continue à travers la voie ou les voies que vous développez. Comment ce projet peut-il être utile pour justement développer cette question d'éthique dans notre monde moderne ? Merci. Merci à vous. Et une dernière question, s'il vous plaît. I'm a lady with the green shirt. Je sais pas, j'ai le son brouillé, tu me diras aussi ça. Une dernière question ensuite pour vous. My question is to Mr. Ramadan. It seems that you took, you questioned Dr. Morin's idea of ethic as being éthique est un pari because of the element, because it seems to you that it adds a dimension that norms can be presumptive in the realm of probability. I was wondering that from an Islamic legal perspective, that wouldn't cause a problem because most jurists would, I would say, agree that laws have a presumptive, like legal norms have a presumptive aspect, especially that we're dealing with the contingency of human acts. So why do you assume that ethic
should be in the realm of certainty. Thank you. Thank you. Je pense que nous avons suffisamment de questions pour répondre dans un premier temps. OK. C'était bon. Bien, simplement pour parce qu'il faudra peut-être aussi que tu répondes aux questions. Il y avait trois questions d'abord en arabe qui disaient peut-il y avoir des valeurs en dehors de la religion, c'est-à-dire est-ce que des valeurs peuvent être produites en dehors de la religion. Deuxième question, c'est que les valeurs sont des constructions sociales, ce ne sont pas des faits métaphysiques qui nous dépassent, mais elles sont le produit. Et il fait référence aussi à une tradition prophétique qui disait prenez de la culture locale, parce que cette culture locale produit une éthique et un bon comportement, donc c'est une construction sociale. Et la troisième, c'est les valeurs en général s'opposent à la production, s'opposent à tout ce qui peut être la productivité en tant que telle. Et donc, c'est souvent les politiques qui ne veulent pas d'éthique parce que ça irait à l'encontre de ce dont ils voient. Donc, il y avait ces trois questions-là d'abord. Et puis ensuite, une autre question qui était posée, c'était sur ce qui s'est passé avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, et qu'il y a eu des gens qui sont descendus dans la rue. Ils ne disaient pas « je », ils disaient « nous ». Et puis finalement, ben, on voit aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, c'est le contraire de ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire ils espéraient la liberté, la dignité, la justice, et il y a eu une marche arrière. Et parmi ces gens qui étaient dans la rue, après coup, il y a eu des mouvements qui voulaient faire référence, voulaient un état civil avec des références musulmanes, ce qu'on appelle les islamistes. Et puis avec ceci, ils voulaient plus d'éthique en politique, mais ils ont perdu la popularité. Donc comment expliquer ça? Ça, c'était la question qui était posée. Et puis ensuite, les autres questions, c'était... il y avait la question sur... j'ai pas compris le nom de la personne qui était citée, que je connais pas, moi. Le philosophe que vous avez cité, monsieur, c'était Frédéric Dunod. Dunod. Frédéric? Prospectiviste. Frédéric? Dunod. Tu connais Frédéric Dunod, un prospectiviste qui parlait d'anthropocentrisme, c'était secté anthropolitique. Alors il demandait est-ce que ça s'est terminé avec sa mort ou est-ce que ça continue. Moi je ne connais pas le prospectiviste, je ne le connaissais pas, je ne connais pas le nom, je suis désolé. Et la dernière question c'est, qui m'est posée à moi, c'est puisque je pense que... Gono, avec un G. Gono, ça te dit quelque chose? Gono. Guénon, peut-être. Non, pas Guénon. C'est un prospectiviste, je ne sais pas. Donc là, on ne peut pas vous répondre. On ne connaissait même pas l'existence de... Et donc, la dernière question, j'y reviendrai au moment de la réponse. Donc, on va répondre tous les deux. Je voulais juste répondre sur la première question. Est-ce qu'il existe des valeurs qui ne soient pas... des produits du religieux. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle le religieux du point de vue islamique, par exemple. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'on a deux corps de textes. Le Coran qui est révélé et les traditions prophétiques. De ces deux corps de textes, il y a une production de valeurs. Mais dans la tradition musulmane, l'aql, c'est-à-dire l'intelligence humaine, est tout à fait aussi dans la potentialité de produire des valeurs. C'est-à-dire que rien dans le texte ne s'oppose à la raison, mais la raison peut aussi être productrice de valeurs. C'est-à-dire que si on trouve des femmes et des hommes qui ne connaissent rien de la révélation, ils peuvent, par leur intelligence autonome, produire des valeurs dont on va se rendre compte qu'elles sont similaires aux nôtres ou qui peuvent se rencontrer. Donc la source n'est pas uniquement scripturaire. Parce que, et c'est ce que disait Abu Hamid al-Razali, quand il dit « il-aqlu wahyun dakhili », c'est-à-dire c'est une révélation intérieure. On n'a absolument aucun problème dans la tradition musulmane entre la foi et la raison comme source. On n'a pas de problème avec ça. Donc oui, on peut tout à fait imaginer que des valeurs soient le produit. Et moi, donc, quand j'entends, quand je lisais Edgar Morin, avant de le connaître, sachant que lui est dans une position de niant la transcendance, c'est-à-dire qu'il dit maintenant, pour moi, il y a un mystère auquel je ne réponds pas, mais il n'y a pas une croyance en un Dieu unique comme dans les traditions monothéistes. Ce qu'il dit des valeurs produites par la raison
c'est quelque chose que je peux comprendre. Quand Jean-Paul Sartre refuse et nie Dieu, mais qu'en même temps il dit il faut qu'on se mette d'accord sur une morale laïque, et il dit à partir d'un certain moment, ce qui va déterminer le bien fondé d'une morale, c'est que quand vous faites quelque chose, posez-vous la question de savoir si toute l'humanité faisait comme vous, est-ce que ça serait viable ? Et qu'il dit, c'est à ce moment-là qu'on développe une morale basée sur la raison, basée qui ne soit pas de morale. J'entends ça, je comprends très très bien, et je pense que de ce point de vue-là, ma foi ne s'oppose pas à ça. Maintenant, sur la question des constructions, est-ce que toute morale est le produit d'une construction ? Ça, non. Moi, je dirais pas cela. Je dirais que il y a dans l'essence de l'être. Je suis pas du tout d'accord avec d'abord l'idée que l'existence produit l'essence. Je suis pas existentialiste et même pas de l'existentialisme chrétien. Mais je pense fondamentalement, et ça, notre tradition musulmane met en évidence la chose, c'est que dans la fitra, c'est dans notre être, il y a une dimension qui est liée à l'aspiration vers le transcendant et à la reconnaissance du fait moral. Donc toute morale n'est pas le produit de la construction sociale. Il en va de la morale même comme de la biologie. On avait eu une discussion avec Edgar Morin sur est-ce que la sexualité est le produit de la construction sociale ? Est-ce que le genre est social ? Et on était d'accord sur un élément, c'est qu'il y a le biologique et puis il y a le... Eh ben, je dirais presque la même chose du point de vue de la morale. C'est qu'il y a des éléments essentiels et puis il y a des constructions sociales, des tournures, des histoires dont il faut tenir compte. Et le dernier élément oui, bien sûr que il y a un vrai problème avec la question des valeurs. C'est qu'à un moment donné, ce que disait Edgar Morin, et je pense que d'un point de vue islamique, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des limitations à nos libertés. Mais est-ce que la limitation à la liberté est une entrave à la liberté ou l'expression ou la permission pour l'homme de vivre sa liberté de façon plus noble, avec plus d'honneur, avec plus de dignité humaine ? Ce que dit la tradition, toutes les traditions religieuses disent ça. Mais en même temps, les traditions philosophiques, Rousseau ou Kant disent pas de liberté sans limite. Et on ne sait la liberté qu'avec ses limites. C'est la limite qui fait la liberté. Et d'un point de vue musulman, nous aussi, on a une pensée qui met en évidence le fait de... Alors, toute la question est-ce qu'il faut produire sans conscience ou est-ce qu'il faut réconcilier la politique et l'éthique pour que la politique gère la question de la production ? Ça, c'est une question. Mais peut-être que tu veux dire quelque chose sur ces trois premières questions. Oui. Oui, parce que... Je pensais à la formule issue, disons, de la tradition politique issue de la Révolution française, la formule liberté, égalité, fraternité. Or, ce sont trois formules qui sont à la fois antagonistes et complémentaires. Pourquoi elles sont antagonistes ? Parce que la liberté toute seule détruit évidemment l'égalité. Et donc, si on veut de l'égalité, il faut restreindre la liberté. Mais si on veut imposer l'égalité, alors on détruit la liberté. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver une relation dialectique. Il y a des époques où on a beaucoup plus besoin de liberté quand on est dans une oppression. Que, par exemple, le pays est occupé par un ennemi. La liberté devient beaucoup plus importante. Et puis, il y a des moments où c'est l'égalité qui devient beaucoup plus importante. Et je pense qu'aujourd'hui, la fraternité est devenue la chose la plus importante. Mais malheureusement, la liberté, on peut l'instituer. L'égalité, on peut l'imposer. Mais la fraternité, elle doit venir. Elle doit venir des personnes, elles peuvent venir de la communauté, des gens eux-mêmes. On ne peut pas imposer la fraternité, ou bien oui, vous imposez ce qu'on peut appeler un système de sécurité sociale, d'entraide sociale, c'est vrai, mais ce n'est pas la vraie fraternité qui est l'aide à autrui, le besoin de secourir autrui, le besoin de ce besoin d'avoir ce lien si fort qui fait, dans le fond, un des éléments les plus importants de la vie. Alors, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas poser isolément
ces notions. Maintenant, je dirais que, si encore je prends, disons, la culture européenne, on voit très bien que, disons, l'idée de fraternité est une laïcisation de l'idée évangélique, disons, qui vient d'une religion, qui est le christianisme. Donc, on peut dire qu'il y a des valeurs qui ont une origine religieuse, mais qui sont reprises, et dans un contexte non religieux, dans un contexte qui va être politique et social. Et c'est vrai qu'il y a un humanisme religieux, d'origine religieuse, qui est le propre des grandes religions universalistes, dont l'islam, le christianisme, le bouddhisme, qui est de s'adresser à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. Or, l'humanisme qui n'est pas religieux a la même nature. C'est-à-dire, il pense que tous les êtres humains méritent d'être reconnus dans leur valeur et dans leur dignité. Ça, c'est une idée profonde et qui peut exister tout à fait en dehors du contexte religieux. Le problème véritable, ce sont les maladies de cet humanisme. C'est qu'en ce moment-là, par exemple, dans le monde occidental, cet humanisme a d'abord été réservé aux Européens eux-mêmes. On disait les colonisés, ils ne sont pas encore assez adultes, ils ne sont pas encore assez évolués pour mériter l'humanisme. Et donc, le grand progrès, c'est qu'on a vraiment l'humanisme qui est potentiellement universel, c'est de le reconnaître valable pour tous. Et je crois qu'une des questions humaines peut-être fondamentales, c'est la reconnaissance d'autrui. Tout être humain a besoin d'être reconnu comme un être humain digne de respect, d'attention ou d'amitié. Et c'est la défaillance dans la reconnaissance d'autrui qui est la cause du pire, je crois, du contraire de l'éthique. Et c'est ça à quoi je pense qu'on doit s'efforcer. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons en nous, sans être existentialiste, je dirais existentiellement, je ne dirais pas biologiquement, parce que je ne veux pas faire de la réduction biologique, mais en tant qu'être humain, nous avons dans notre nature propre, cette source éthique qui est le besoin du nous et qui est capable d'étendre ce nous à tous nos semblables humains. Et je dirais même un peu plus, je viens de co-signer un manifeste il y a une semaine en France pour qu'on ne fasse pas souffrir les animaux. Parce que dans la société industrielle, les bœufs, les porcs, les poulets, les animaux destinés à la consommation subissent un traitement de camp de concentration pire qu'on n'a jamais pu imaginer, que le nazisme ou le stalinisme ont pu imaginer. Ces êtres vivants qui sont nos cousins, ils sont des mammifères, ces êtres vivants qui ont une sensibilité, qui sont capables de douleur, d'affection, d'attachement, ils sont traités pire que des objets et d'une façon monstrueuse. Et je pense que là aussi, nous devons, ça aussi c'est une chose récente venue de l'industrialisation et le profit qui considère tout comme objet, qui a considéré la nature, les plantes, les animaux, la vie comme des purs objets. Tout ceci doit au contraire comprendre que nous devons avoir un respect plus grand pour la vie. La vie, c'est est à la fois un fardeau et un cadeau. Pour beaucoup de malheureux, c'est surtout un fardeau. Mais pour ceux qui peuvent avoir des moments de bonheur, c'est un cadeau. Je crois que la vie elle-même doit être aimée et respectée. Et je dirais que ça aussi, c'est un sens éthique. Pourquoi ?
parce que je trouve que c'est quand on a la capacité de s'émerveiller devant les beautés de la vie, devant les beautés de la nature, de l'esthétique, devant les beautés humaines, devant ce qui naît de l'amour et de l'amitié, quand on a cette capacité d'aimer ce que la vie donne de meilleur, alors on a les ressources en soi de résister à ce que la vie apporte de pire, à l'oppression, au mépris, à la haine, à tout ce qui est. Et je pense que là aussi, on peut puiser dans l'amour de la vie une source éthique pour résister au mal. Il y avait une question où la personne qui posait la question disait « J'aimerais vous faire redescendre sur Terre et que vous répondiez concrètement à la question. » Elle nous disait ça aux deux, sur la question de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Une formidable espérance, et puis finalement, voilà ce qui se passe. Quelle est l'analyse que tu fais, aussi avec des mouvements qui appelaient à de l'éthique, ou en tout cas voulaient que la référence soit là, et qui ont perdu leur popularité pour beaucoup? Oui, mais tout d'abord, je me référerai à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'écologie de l'action. C'est-à-dire que des actions déterminent des conséquences qui sont tout à fait imprévus au départ. Il est évident que en Tunisie, en Égypte, partout ça a commencé et ça s'est répandu. Ça part du jeunesse qui a une aspiration, je dirais, à la dignité, une aspiration à la justice, une aspiration à un monde meilleur, une aspiration contre des dictatures terribles. Bon, alors, donc, voici une aspiration, et puis qui provoque des événements qui eux-mêmes sont inattendus. Inattendus, pas seulement en Tunisie, en Égypte, mais de façon beaucoup plus dramatique, je dirais, en Libye ou en Syrie. Alors, ça, c'est une. On voit que, disons, là aussi, les meilleures intentions, aussi bien courtes, qui était tout à fait imprévu et parfois contraire. Mais je pense que quand même, c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Je reprends l'exemple de la France. En 1789, une révolution de fraternité, de liberté, un véritable printemps. D'ailleurs, le philosophe Hegel, allemand, a dit « ce fut un splendide lever de soleil ». Et alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu une fraternisation, même les aristocrates, ils ont abandonné leurs privilèges, c'était une fête. Or, il a suffi de quelques années pour qu'arrive avec la guerre la terreur, qu'arrive Thermidor, qu'arrive Bonaparte, qu'arrive l'Empire, qu'arrive la Restauration, qu'arrive des guerres. Mais donc, c'était aussi des conséquences imprévues, inattendues. Mais que reste-t-il? Le message initial a ressuscité dans l'histoire. Il a ressuscité en 1848, une nouvelle révolution, il a ressuscité avec la Troisième République qui a duré à peu près un siècle. Autrement dit, je pense d'abord que le mot initial, ce qui est passé au début, est quelque chose, disons, qui restera. Et bien que les événements, l'aventure historique va continuer d'une façon qu'on ne peut pas prévoir. Maintenant, on arrive aussi à ce paradoxe. Vous avez ce mouvement réussi en provoquant des élections. Mais soit que dans des pays où les partis politiques étaient interdits comme Tunisie, ou bien dans des pays où il n'y a pas eu de mouvement identique comme au Maroc, qui est resté stable, que donnent les élections? Une victoire de partis qu'on appelle religieux ou islamistes. Pourquoi? Là aussi, nous voyons que
les partis, je prends le Maroc qui est intéressant parce que le Maroc avait des partis communistes qui ont pris un autre nom, socialistes, il y avait le grand parti national laïque d'Istiklal, mais ces partis étaient devenus des partis de sommet, c'était des partis qui n'avaient plus de vitalité, c'était des partis qui n'apportaient aucun message novateur, aucune voie à suivre au peuple. Et le peuple, qui est en grande partie dans un grand état de pauvreté, avec qui il a contact avec les militants islamistes qui aident concrètement à son sort, qui aident d'une façon pour la santé, qui aident les familles qui sont présentes. Et c'est tout à fait normal que les élections donnent la victoire à des partis qui se réclament de ceci. Alors que dire, là aussi, le côté religieux est profondément inscrit dans l'âme profonde des populations. Alors ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est que ces événements produisent alors des conflits. Ceux qui étaient unis dans la lutte contre l'ancienne dictature se retrouvent profondément divisés et entrent dans un conflit, par exemple en Égypte. Et alors donc, pourquoi ? Pourquoi je reviens à cette idée essentielle ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée qui dise « voici la voie pour sortir des crises dans lesquelles nous sommes ». Parce que nous ne sommes pas seulement dans une crise économique, nous sommes dans une crise de l'humanité en général, qui n'arrive pas à accéder à l'humanité. Et dans cette crise-là, dans cette crise qui est planétaire, qui est différente selon les régions, mais qui touche toutes les régions. Et alors, vous avez effectivement le désarroi, on ne sait pas. Bien sûr, la religion est un refuge, mais on ne sait pas où aller. Et c'est l'absence, tant que nous vivrons dans cette absence de pensée, que nous serons dans l'errance et dans les risques les plus graves. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle La Voix. Ajoutons que dans ces pays, à plus, la crise économique frappe très durement. Beaucoup de ces pays vivaient en grande partie du tourisme, lequel, évidemment, par peur, a beaucoup diminué, les conflits intérieurs, tout ceci fait effectivement, c'était les sociétés arabes, par exemple, qui ont subi la colonisation, qui ont d'abord subi la colonisation turque, qui ont subi la colonisation occidentale, qui ont cru au socialisme arabe qui les a déçus, qui ont cru à la démocratie qui les a aussi déçus. Ce sont des pays en plein désarroi et à la recherche d'une vérité qui fuit. Moi, je crois que nous vivons dans une époque... D'ailleurs, le monde, la planète, vit dans une époque, je crois, de régression, parce qu'il n'y a plus d'avenir. L'avenir est bouché, le présent est angoissé. On essaie de se raccrocher au passé, mais parfois, on se raccroche d'une façon fermée, d'une façon obtuse, au lieu de se raccrocher d'une façon vivante. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ton message, Tariq, c'est ce que tu demandes à un ressourcement, mais un ressourcement dans ce qu'il y a de pur, dans ce qu'il y a de beau, dans la religion, et non pas dans les formes fermées, dans les formes rigides, dans les formes closes et sectaires de la religion. Et je crois que c'est ça. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le monde méditerranéen, dans le monde qui a vécu le printemps arabe, eh bien, il se passe que nous passons des saisons différentes, mais que dans le fond, la rotation des saisons va continuer de toute façon. Rien n'est figé, c'est ça qui est terrible. Mais en même temps, l'avenir nous est inconnu. Je termine par un proverbe turc qui dit « Les nuits sont enceintes et nul ne sait quel sera le jour qui va naître. » Merci. Juste par rapport à cette même question, puis arriver vers notre conclusion, puisqu'il y avait deux questions auxquelles il fallait répondre, mais très, très, très succinctement, puisqu'il faut en venir à des réflexions qui sont des réflexions... je partage l'optimisme de la fin du propos d'Edgar Morin en disant « quelque chose s'est passé, effectivement ». J'ai toujours parlé de réveil arabe, qui a une conscience, qui a quand même quelque chose que l'on peut faire contre les dictateurs. Sachant que sur le plan historique, c'est la seule région du monde, le Moyen-Orient et en majorité les pays arabes,
où il n'y a pas eu d'évolution des structures politiques. On l'a vu en Amérique latine, en Amérique du Sud, on l'a vu en Afrique, on l'a vu en Asie, mais dans le Moyen-Orient, il n'y avait rien. Donc quelque chose se passe, et il y a une conscience arabe qui se rend compte que les choses peuvent bouger, que ceux qui sont les dictateurs ne sont pas là éternellement. Ça, pour moi, c'est le réveil. Maintenant, concrètement, ce qui s'est passé sur le terrain, le début de tous ces mouvements-là, ce sont des générations de plutôt jeunes d'abord, qui sont pour la liberté, qui sont contre la dictature, qui sont contre la justice. La force du mouvement, c'était sa faiblesse. C'est que la force, c'était qu'il n'y avait pas d'idéologie unificatrice ou de mouvement qui, ou de leadership spécifique. Et quand il y a eu la volonté de faire une sorte de leadership avec des différents partis, comme en Algérie, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements de masse qui dépassaient les appartenances. Donc là, on a quelque chose qui est un mouvement dont la force va très vite s'apercevoir, quand le dictateur tombe, que c'est sa faiblesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas de projet commun. Il n'y en avait pas. Soit dit en passant, j'ai de sérieux doutes et de sérieuses questions sur la particularité de ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, et je pense qu'il faut regarder pays par pays. Je pense qu'en Syrie, on ne s'attendait pas du tout à ça. On ne s'attendait pas du tout à ces populations qui descendent dans la rue. Les circonstances économiques de la Tunisie et de l'Égypte faisaient qu'on s'y attendait peut-être un tout petit peu plus. Et qu'on a des informations qui mettaient que l'administration américaine était, et même les Français, le pouvoir français, était au courant déjà, c'est-à-dire les pays qui étaient les plus directement liés à la Tunisie et à l'Égypte, mais les Anglais de la même façon, étaient au courant de mouvements intérieurs aux sociétés. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que cet espoir qui est né, il est né contre le dictateur, ça a uni les gens. Après coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, clairement, l'impossibilité de gérer ce qui venait après. Et on voit aujourd'hui dans le monde arabe, et ça c'est une situation dans laquelle le monde arabe et les sociétés majoritairement musulmanes vont devoir vraiment faire face à ça. C'est-à-dire la polarisation entre les laïcs et les islamistes, ou entre certains types de pouvoir et le référent religieux. Et finalement, les vraies questions ne sont pas à l'ordre du jour. Qu'en est-il de la corruption? Qu'en est-il des militaires? Qu'en est-il de la nature de l'État? Qu'en est-il du pouvoir ou du système économique, du système d'éducation, de la question de la justice sociale ou de la place des femmes, par exemple? Parce qu'il n'y a pas de société qui soit en développement sans qu'on parle de ça, effectivement. Et la troisième des choses, la question de la culture et la question du regard que l'on porte sur soi. Toutes ces questions-là n'ont pas été abordées. Ça fait 2 ans et demi en Tunisie qu'on est dans un débat polarisé entre des laïcs et des islamistes, ou ceux qui font référence à la société civile avec des références islamistes, et entre deux, on a les salafis qui viennent d'arriver, qui sont promus, qui dérangent la référence religieuse. Aujourd'hui, on est dans cette division-là sur le plan interne, sans compter, au niveau du Moyen-Orient, la division entre les chiites et les sunnites. C'est-à-dire que le mouvement de masse contre le dictateur est en train d'aboutir à un mouvement de fragmentation et de division contre rien du tout, avec aucune vision. Aucune vision pour l'avenir. Deuxième élément qui est important, c'est les mouvements islamistes eux-mêmes, ceux auxquels vous avez fait référence. Et là, on a un vrai problème, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Edmar Morin sur ce point-là, les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce n'est pas parce qu'on fait référence à des principes religieux ou à de l'éthique qu'on a les moyens de l'appliquer. On est en train de parler de politique, et quand on parle de politique, il faut savoir quels sont les pouvoirs en présence. Je veux dire, avoir pensé en Égypte que l'armée allait partir de cette façon-là et qu'on pouvait la soustraire alors qu'elle tient 40% de l'économie de l'Égypte, qu'elle avait des gens dans tout le système politique et que dans toutes les familles, il y a des gens qui sont liés aux politiques et qu'ils n'ont jamais quitté le pouvoir, on se dit mais il y a un processus. On est responsable de ces valeurs, on est responsable aussi des espérances qu'on fait naître chez les gens. On est responsable des espérances. Et quand, à partir d'un certain moment, il y a des erreurs politiques, et là, il faut faire des jugements sur les erreurs politiques. Ça ne veut pas dire qu'on remette en cause l'ensemble du référent, non. Mais on ne peut pas faire de référence à l'éthique si, en même temps, on n'a pas la compréhension de la société. Et puis, s'exposer au pouvoir politique quand il y a une telle crise économique dans le pays, c'est s'assurer de perdre sa crédibilité, ce qui s'est passé.
Mais ça, ça vient aussi du fait qu'on n'étudie pas ce qui se passe dans les autres sociétés, qu'on ne voit pas ce qui peut se passer. Donc Edgar Morin parle du fait qu'il y a un mouvement populaire vers ceux qui sont perçus comme les moins corrompus ou les plus solidaires. Reste que d'un autre côté, quand on regarde la séquence historique courte, eh bien, il y a un vrai problème sur le projet politique. Il y a un vrai problème sur les priorités. On n'a pas de vision claire sur ces questions-là. On a beaucoup de naïveté. Beaucoup, beaucoup de naïveté. C'est-à-dire que quand on lit, je veux dire, quelques semaines après le coup d'État, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, un coup d'État, c'est un coup d'État. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que c'est l'armée qui a déposé un président élu. Et que tout démocrate, où qu'il soit, au Qatar ou n'importe où dans le monde, il doit dire clairement que même si on est contre les frères musulmans ou les islamistes, on ne peut pas, parce qu'on est contre eux, admettre qu'un coup d'État soit la solution. Un coup d'État, c'est un coup d'État militaire et ça se condamne. Je veux dire, c'est aussi clair éthiquement, c'est-à-dire ce sont des positions de principe pour moi. Et ceux qui commencent à tergiverser en disant oui, mais la popularité, mais ce n'est pas un coup d'État comme le président des États-Unis, la plus grande déception des 7 dernières années. Mais enfin bref, ça, je veux dire, à partir de cela, je veux dire qu'il faut qu'on soit extrêmement clair sur le fait que cette critique-là et ces principes-là, avoir pensé quelques semaines avant la chute que les Américains allaient soutenir, qu'ils étaient du côté des élections et tout ceci, c'est de ne pas avoir étudié l'histoire. C'est pas avoir étudié l'histoire de l'Afrique, pas avoir étudié l'Amérique latine. Je veux dire, les Américains, quand même, dans leur gestion de la gestion des démocraties en Amérique latine, si on avait un peu étudié, on se serait rendu compte. Donc, je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de naïveté, que le peuple aussi, il faut aussi questionner. Je veux dire, avoir appelé l'armée pour se sortir, je veux dire, la vraie question, elle est quand même, est-ce qu'on peut avoir une démocratie avec l'armée? C'est quand même aussi ça, la vraie question qu'on doit poser. Donc, moi, je suis très critique par rapport à ce qui s'est passé. Et le dernier élément, je pense qu'il faut faire la critique aujourd'hui de ce qu'on appelle l'islam politique. En arabe, on ne dit pas « l'islam est siyasi », c'est une fausse formule, c'est une traduction. Mais il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir c'est quoi, c'est quelle est la relation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un état civil avec des références islamiques. Et on a eu un débat dans Kyle, on a amené des savants, ça fait 50 ans qu'ils travaillent sur la question des maqasid, sur la question de l'état civil, sur la question des valeurs. Mais je peux vous dire une chose, moi je suis ressorti du séminaire très inquiet. Très très inquiet. Je me suis dit, on va où? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs dont on nous parle? C'est quoi un état civil avec des références musulmanes? Quand on ne savait même pas, entre les savants, à qui venait l'autorité de référence. Qui est la référence? Un, il dit c'est le peuple, l'autre, il dit c'est pas possible. Ça ne peut pas être le peuple, il faut des références religieuses. Et on avait cette question-là. C'est sorti de notre débat, et ça c'est une vraie question qu'on doit poser. Nous, si on travaille sur l'éthique en politique, il faut poser ces questions-là, il faut poser ces questions de la structure. Je termine juste rapidement par la question que vous avez posée, parce qu'elle est importante. Attention! Dire l'éthique est un pari, ça ne veut pas dire que la fatwa est un pari, ce n'est pas pareil. Dans la tradition de la jurisprudence, du droit et de la jurisprudence musulmane, effectivement, quand on est en face d'une nouvelle situation, d'abord, aucun savant, aucun faqih vous dira « je parie ». Parce que s'il vous dit « je parie », il sera... ne sera pas suivi. Attendez, attendez, laissez-moi terminer. Ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, c'est effectivement, avec toutes les connaissances qu'il a des principes, à la lumière du contexte, faire le choix de ce qu'il considère comme une opinion légale. Et le fatwa, c'est une opinion légale, c'est une opinion. Donc dans opinion, il y a la notion de parier sur le plus juste. À tel point que le prophète salam donne deux récompenses à celui qui trouve juste et une récompense à celui qui pourrait se tromper en ayant essayé. Donc, on est dans l'ordre de la probabilité, mais attention, la probabilité d'une opinion légale quand le texte est silencieux, quand le texte n'est pas définitif, mais toujours à la lumière de principes qui sont fondés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une référence. Alors, ça, c'est une opinion légale, c'est-à-dire qu'on fait effectivement un travail à partir des références. Ce n'est pas du tout la même chose que la question de la norme ou la question de la valeur. Et c'est pour ça que finalement on est d'accord. Dans la réponse d'Edgar Morin, c'est de dire attention, la norme et le principe, c'est une nécessité. C'est comment on va l'appliquer qui est un pari, qui est un calcul de probabilité. Là, de ce point de vue-là, on essaye tous d'essayer les meilleures stratégies,
l'élément de l'application. Donc quand il y a notre raison, on est dans la probabilité. Mais quant à la référence qui dit attention, il y a des règles, il y a des principes et il y a des choses qu'on ne fait. Par exemple, pour moi, et même pour Edgar Morin, dans la discussion qu'on a eue sur un certain nombre d'éléments dans le travail qu'on a fait ensemble, il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas du tout un calcul. Moi, pour moi, le fait de dire en termes de normes le refus de la torture, ce n'est pas une probabilité. Absolument pas. C'est-à-dire que c'est un principe qui ne se discute même pas. Qui vient me parler de torture, je dis non, ça ne se discute pas. La torture, c'est non. Même avec toutes les probabilités que les Américains m'ont donné une fois en me disant « Mais si celui qu'on va torturer, il sait où est la bombe, est-ce qu'on ne peut quand même pas le torturer un peu pour qu'il nous dise ?» Vous voyez, ce genre de... Non, là, non. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il y a des choses sur lesquelles... Donc, on ne parle pas de la même chose. Ce dont vous parlez, vous, c'est la probabilité juridique, elle est toujours là en termes légaux, mais la question des valeurs n'est pas une question de probabilité. Ce n'est pas une question de pari, à mon sens. Il y a des normes. Maintenant, encore une fois, entre la norme qui ne se discute pas et son application qui se cherche et qui cherche à trouver la meilleure application, il y a toujours des probabilités qu'il faut reconnaître. C'est l'humilité du faqir qui lui fait chaque fois terminer en disant « Allahu a'lam », Dieu est plus savant, parce que ma science est relative. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Deux informations importantes avant de vous quitter. Vous pourrez retrouver les vidéos de cette conférence en trois langues, en français, anglais, arabe, sur le site internet du CIL. Vous avez une collation qui est à votre disposition à l'atrium, donc vous suivez les signalisations et nous serons heureux de vous y accueillir. Allahu a'lam wa ta'ala wa ahkam wa qawli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merci. Merci, Edgar.